Bon, bonjour, nous sommes le 9 septembre, donc toujours dans la suite de la méthode d'encagement des rennes par Scalvini. Donc nous sommes le 9 septembre, soit une trentaine de jours après la libération des rennes. Donc là nous allons jeter un petit coup d'œil pour voir comment se comportent les rennes, comment se trouve le couvain, dans quel état il est. Voilà, reprise de pont. Donc 30 jours, ça veut dire qu'il y a à peu près une semaine que les jeunes abeilles de la première reprise de ponte après l'encagement sont en train de naître. Alors, on va voir. Les populations n'ont pas trop baissé apparemment. Donc normalement toutes les abeilles vieilles pendant l'encagement sont mortes. Et là, il doit y avoir la reprise de population avec le début des jeunes abeilles qui naissent. Donc c'est depuis une semaine à peu près après la libération de la reine. Donc ça c'est le cadre. Alors on va regarder le cadre où il y avait l'encagement. Voilà, ça c'est le cadre où il y avait la cagette Scalvini. Donc on voit encore le trou. On voit que le couvain est assez joli. Je ne sais pas si vous voyez. Bien, voilà, donc il y a un beau couvain là aussi, donc, on va regarder les autres, donc celui d'à côté ici, comment il est, là ici c'est pareil, donc on a un beau couvain, là ici c'est tout pondu. Là pareil, voilà, donc on a vraiment un beau couvain. Les provisions sont un peu justes, il faut dire que il n'y a toujours pas plu, donc on est en sécheresse très forte depuis le mois de juin, début juin, depuis la canicule de juin, il n'y a pas plu du tout, même beaucoup d'incendies de forêt, encore donc un cadre de couvain ici, vous voyez, hop. L'autre côté pareil, donc voilà, on va regarder un petit peu plus ici là, est-ce que ça va, donc là c'est le miel et le pollen, donc il y a un petit peu de rentrée, on voit un peu de nectar là, vous voyez, voilà, pas mal de jeunes abeilles hein, quand même hein. Voilà, donc ici je ferme, donc un cadre de couvain, deux cadres de couvain, trois cadres de couvain, c'est le cadre où il y avait la cage, quatre cadres de couvain, très joli, de l'autre côté pareil, la reine est ici, là ici c'est tout pondu, même des larves, donc très beau couvain, donc 4 c'est très bien hein, pour l'hiver c'est parfait là, pour faire les abeilles d'hiver, 4, 5 cadres de couvain, un magnifique couvain très régulier, on voit bien, et là c'est pas pondu, donc c'est le cadre de rive de couvain, voilà, donc on est sur 5 cadres de couvain, très beau, c'est pas mal, c'est bien, c'est largement suffisant pour faire les abeilles pour passer l'hiver, 5 cadres de couvain, donc à la place du cadre de ménage, je remets le cadre de la casette. Voilà, 5 cadres de couvain et la colonie peuple encore les 10 cadres, quoi, hein, parce qu'il y a des abeilles sur le bord et là c'est bourré aussi. Donc finalement la perte de population sur cette colonie, là je la laisse un peu monter pour que vous voyez la population. Peut-être vous rapprocher. Voilà. J'espère qu'on voit bien, moi je vois pas du tout avec le soleil. Donc on voit bien. Voilà. Donc on est bien, là ça va, c'est même très bien. Hop, je referme, je fais juste un contrôle pour vous montrer. J'en referai un, je pense, je ferai un contrôle varrois au sucre glace début décembre. Je ferai en vidéo aussi. Et un traitement, au moment du traitement oxalique de l'hiver. Et avant, je ferai quand même un comptage. Je passe à celle-là. Voilà, c'est pareil. Si vous êtes bien cadré. Non. Voilà, je vais vous rapprocher. Donc là c'est pareil, les 10 cadres sont habités. Donc où était la cage de Scalvini était là, enfin le S. On va regarder. Donc là tout est pondu. Ça va bien, pondu. Le couvain là. Le couvain là. C'était un vieux cadre à mâle, on voit les parties mâles ici. On regarde ici. Le couvain. Donc assez étendu. Là aussi. Aujourd'hui c'est très orageux, j'espère que la luminosité est assez bonne. Là ici, alors là ça vient de naître, c'est né et elle commence à répondre. Donc voilà, beaucoup de vin. C'est pas mal. Hein. Ah, ici du couvain aussi. Donc le couvain jusque là. Là il y a une petite vieille, un vieil appel de ponte. Pas mal de jeunes abeilles quand même. Donc c'est en train de se reprendre, la population, la reine est là. Voilà. Et ici des larves. Ici, vous voyez. Donc on est à 3-4 avec le cadre 4, là ça va être le cadre de rive, c'est le cadre de pollen. Alors 1, 2, 3, là le cadre, il y avait la cage de Scalvini. Donc ça fait 4e cadre de couvain, pardon. Et là, c'est du couvain aussi. Donc 5 cadres de couvain, beau couvain. 5 cadres de couvain. Et là, c'est lourd, ça, c'est le cadre de miel et pollen. Ouais. Prévision, parfait. Donc 5 cadres de couvain, bah c'est parfait, hein, pour préparer les abeilles d'hiver. Si nous tiens ces 5 cadres de couvain là pendant le mois de septembre, on va avoir une belle colonie pour passer l'hiver. Voilà. Que je voudrais, on va regarder celle-ci là, parce que là, on avait changé là, je vois qu'on avait changé la reine après l'encagement. Donc on va regarder celle-ci, on va rapprocher. Est-ce que vous voyez bien? Je vois rien du tout. Donc ici on avait changé la reine, donc c'est une reine que j'avais mis en cage, en cagette d'introduction, vous vous rappelez, regardez les vidéos. Voilà, c'est pas mal, il y a 8-9 cadres à habiter. Alors, où était la cage de Scalvini? Je vais effacer. Ah, elle était là. Voilà. Et bien c'est tendu, tout autour. Voilà. Donc un beau couvain. Un beau couvain ici aussi. Voilà. Ici c'est pendu, donc tout ça c'est né, et regardez, ouais, c'est des larves, des jeunes larves, donc c'est né et rependu. Je vais essayer de voir si vous le voyez, vous. Donc ici, voilà. Je pense que vous devez le voir. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. La reine est là, hop, marqué. Pareil, beau couvain, magnifique. Là, pareil, c'est que des larves. Je vais les rapprocher si vous voyez. Donc ici, que des larves, je pense que vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc on est à 3e, hein. Le cadre où il y avait la cagette, la cage de Scalvini, 2, 3. Là c'est le couvain aussi pondu. Voilà. De l'autre côté pareil. Donc on est à 4. Le suivant, ça doit être le cadre, le rive du couvain. Elle est à l'eau. Ouais, c'est ça. Ok. Miel. Donc 1, 2, 3, 4 avec le cadre de la cagette, de la cage Scalvini. On va regarder celui-là. Celui-ci, c'est un cadre de rive du couvain, donc un peu de pollen, mais pas beaucoup parce que, comme je vous le dis, on est en pleine sécheresse. Il y a un peu de dépôt de pollen là, mais vraiment c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule, du fait que, ben, il n'a pas plu, il ne peut toujours pas. Regardez les provisions là sur celui-là. Ouais, c'est bien lourd. Miari, ça va. C'est un cadre de mâle, à mâle, donc il est plein de nectar et de pollen aussi, donc c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc là on est bien. Donc voilà, on remet le cadre avec de la cage. Voilà, donc ici 4 cadres de couvain. Donc bah 4, 5, c'est pas mal. Bien. Là ici, bah, regardez vite fait. Là qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une reine. Je ne sais pas si vous êtes bien cadré là. Voilà. Pareil, c'est plein. Alors la case était là. Voilà. C'est tendu. C'est tendu aussi. Voilà. Beaucoup 20. La reine est là. Et c'est le cadre de miel, de pollen, de rive, de couvain. Vous voyez la reine ici. Voilà. Donc je la remets. Donc, un, deux avec celui de la cage, donc elle a dû s'installer de ce côté là. Voilà, voilà. Là, tout ça c'est en train de naître là, on voit les jeunes abeilles là, là aussi c'est en train de naître, on voit des très très jeunes abeilles, vraiment c'est les premières naissances depuis une semaine à peu près quoi, hein. Puisqu'on est 30 jours juste après la libération de la reine. Donc elle n'a pas pondu tout de suite, elle pond 3-4 jours après. Donc on est 27 jours, disons, après les premières pontes, donc les premières naissances. Voilà. Ici le couvain aussi, ici c'est pondu aussi. Donc là ça nous en fait 4. On va voir si elle a fait les 5. Non, c'est pas trop parce que c'est reine. Oh, c'est plein de nectar là. Ouais, ça rentre un peu, c'est du miel là, là hein. C'est très épais. Voilà, la pauvre petite. Ouais. Là c'est très très épais. On va être du miel là. On est en pleine sécheresse là, alors il n'y a pas grand chose à part le miel là quoi. Donc là celle-là 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, voilà. On referme. Voilà, puis on va faire cette dernière là. Ben, ça c'est une reine qu'on a changée justement aussi, on a changé au moment de la libération. Hop. Donc je vous rapproche, je vais essayer de vous cadrer un peu mieux. Du coup. Voilà. Voyons voir si cette raid a été acceptée. Alors, le Scalvini était ici. C'est pas pondu. Là, par contre, il y a du nectar. On va voir un peu plus loin. Enfin, du nectar du là, oui. Là. Ici, ça c'est un cadre qui ne plaît pas trop, qui est tout jeune. Voilà la ponte. Donc c'est une jeune reine qui repart, qui reprend la colonie. Je vais la recentrer un peu. Regardez ici il y a des couleurs, mais je pense pas. Là ça a l'air d'être le pollen, le cadre de rive, voilà, avec un peu de nectar. C'est un peu juste en provision, il faudrait qu'il pleuve pour qu'on ait un peu de floraison et une mielée sur le lierre qui devrait pas tarder à commencer là. Voilà le couvain, aussi joli, magnifique, tout ça c'est né, c'est plein de jeunes abeilles là qui sont en train de naître. Elle a dû démarrer un peu plus tôt, un peu plus tard sa ponte celle-ci, vous voyez des belles toutes jeunes abeilles, toutes jeunes là. Vraiment des très très jeunes abeilles. Là, si vous voyez, elles sont toutes blanches. Là c'est pareil, un beau couvain. Donc ça fait deux. Et 3. Donc, couvain aussi. Voilà. Aussi. Là, on voit bien les larves qui pontent. Donc 3. Il faut dire que cette colonie, c'est comme j'ai changé la reine. Tout où je change la reine, c'est que c'était des petites colonies faibles, c'est-à-dire des vieilles reines qu'il a fallu changer. Et elle est en plein sur le bord. Et encore, donc elle est sur ces 4-4 de couvain quand même, c'est pas mal. Voilà. On peut la recentrer quand même. Allez. Hop. Elle est de ce côté-là parce que l'est est par là. Voilà. Et là, je vais lui mettre ce bocard ici en ponte que je ramènerai. La visite de printemps, je la ramènerai vers le centre. Et là, je la recentre parce que comme elle veut aller par là, elle va aller sur ce beau cadre. Et là, je vais mettre le cadre où il y avait la Scalvini ici. Vous verrez ce que j'en fais au printemps. Voilà. Bon, donc 4-4 de couvain, bah, c'est pas mal quoi. Aussi. Voilà, mais c'est parti un peu plus trop quand je dis. Scalvini, 1, 1, 1, 2, 3, 4 de couvain. Donc bah, voilà, c'est pas mal. En plus, cette colonie a été assez faible, on n'avait pas fait grand chose. Bon, enfin, on avait pas mal tiré sur la souche, sur cette colonie, sur l'ancienne reine. Donc on avait fait 2 essaims et je lui ai retiré un cadre de couvain pour renforcer un essaim certainement. Et quand on a fait le traitement, à la Scalvini, elle était à 4-4 de couleur. Voilà, donc je pense que là pour l'instant, alors je vous l'ai dit, j'ai tout vérifié déjà, il n'y a pas de perte de reine. Et toutes à peu près sont sur 4-5-4, plutôt 5-4 de couvain, 4 les 3-4, quelques-unes 3 comme celle-ci, les faibles. Sinon tout le monde est 4-5-4 de couvain. Et les couvins sont tous pareils, très très beaux. Voilà, pour ce contrôle.